Les nouveaux chiffres du gouvernement montrent que l'Union européenne était le principal partenaire commercial de la Chine au premier semestre de cette année, dépassant les 2 000 milliards de yuans. Elle représente près de 16% du commerce total de la Chine, en hausse de 11% en glissement annuel. Le commerce de la Chine avec l'ASEAN a presque atteint les 2 000 milliards de yuans, soit 13% du commerce total de la Chine. Cela représente une hausse de 10,5% en glissement annuel. Les États-Unis glissent à la troisième place. Leur commerce avec la Chine est inférieur de 30 milliards de yuans à l'ASEAN. Le mois dernier, les exportations de la Chine aux États-Unis ont baissé de 8%, tandis que les importations américaines en Chine ont chuté de 31%. Les analystes disent que si cette tendance se poursuivait, les États-Unis passeraient pour la première fois depuis 1997 derrière l'ASEAN dans le commerce annuel avec la Chine.